Bonjour. Alors, je tiens à préciser que je préfère rester anonyme, car ce que je vais vous dire aujourd'hui va déclencher certainement un tsunami. Une énorme polémique. Je sais que j'aurai, après mes déclarations, je devrais subir des pressions politiques et des pressions policières. Mais je crois qu'il est temps que les Français sachent la vérité. Avec mon équipe, nous avons travaillé plusieurs années, enquêté, investigué, pour qu'enfin les citoyens apprennent la vérité. Alors évidemment, tout ce que je vais vous dire maintenant est accompagné de preuves. Elles sont là, elles sont à la disposition des Français, de la justice, du gouvernement. Alors je sais très bien que mes déclarations vont engendrer des gros problèmes personnels, que cela va entraîner des problèmes au sein de ma famille, de mes amis. Tout cela va créer une grande confusion, mais je pense qu'il est de mon devoir de dire la vérité. Voilà, nous venons, après plusieurs années donc d'enquête, de recherche, après avoir vraiment investigué à plusieurs personnes, à une équipe de plusieurs personnes, nous pouvons le dire aujourd'hui, officiellement, non, ce ne sont pas des lutins qui aide le Père Noël à préparer les commandes des cadeaux pour le 25 décembre. Je sais que cette déclaration peut créer un choc chez pas mal de gens, dans pas mal de familles. Je sais que cette déclaration est un coup de tonnerre, mais je pense qu'il fallait que les Français le sachent, car les Français aiment bien s'asseoir. Alors je tiens à préciser que nous travaillons actuellement sur un autre complot. Nous ne sommes pas encore tout à fait au point, il nous manque quelques preuves, mais on a déjà pas mal sur ce futur sujet, puisque nous pourrons le déclarer très bientôt officiellement. Ce sont les riches qui dirigent le monde, et les pauvres par contre. Voilà. Tout est bientôt presque là. On en reparle bientôt. Merci à tous les adeptes, à tous les internautes qui nous suivent et qui nous encouragent. Si vous pouvez faire des likes, faire en sorte que cette vidéo circule sur la planète entière. Merci.